Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est l'Hebdo. Je suis ravi, très heureux de vous rejoindre sur France 5. C'est l'Hebdo qui fait sa rentrée ce samedi avec vos rendez-vous habituels et pas mal de nouveautés, vous allez le voir. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le sommaire de l'émission ce samedi. Il a 27 ans à peine et il s'est imposé comme l'un des visages qui compte sur la nouvelle scène politique française. Qui est le jeune député insoumis Adrien Quatennens? Il sera notre invité dans un instant. C'est le transfert médiatique de la rentrée. Patrick Cohen est passé de France Inter à Europe 1. Comment vit-il le fait d'être devenu un enjeu industriel? Il nous le dira tout à l'heure. Complotiste, ultra-réac, raciste, Alex Jones donne le pouls de l'Amérique de Trump. Décryptage d'un phénomène inquiétant avec l'historien François Durper. C'est le film qui nous a bouleversé, 120 battements par minute de Robin Campillo, une histoire très forte et qui soulève de nombreuses questions. On en parle avec les deux jeunes acteurs, Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois et le co-scénariste du film, Philippe Mangeau. Ce sera juste après 20h. C'est l'Hebdo, c'est maintenant.